Voici un petit album sur les saisons, l'hiver en particulier, pour tout public à partir de 2-3 ans. Si l'hiver arrive, dis-lui que je ne suis pas là. De Simona Siraolo chez Pastel. Pour Angela. Nager, c'est ce que je préfère. Et je nage très bien. J'aurais vraiment pu être un poisson. Il n'y a pas grand-chose qui réussit à me faire sortir de l'eau. Profites-en tant que ça dure, parce que l'été va bientôt se terminer. Dit ma sœur. Et qu'est-ce qui se passe quand l'été se termine? Eh bien, d'abord c'est l'automne, les jours raccourcissent, il fait frais dehors et les arbres perdent toutes leurs feuilles. Et tu n'auras plus besoin de ton maillot de bain. Tu peux lui dire au revoir. Ensuite, c'est l'hiver qui arrive. Il fait nuit tout le temps. Il pleut sans arrêt. Et tu ne décolles plus du canapé, du matin au soir. Tout est tellement triste. Tu as tellement froid que tu ne rêves même pas de manger une glace. Je refuse de la croire. Mais maman et papa disent que c'est vrai. Je ne peux rien y faire. Je n'ai plus qu'à attendre. Alors, je guette les signes de l'hiver. Et ils arrivent, l'un après l'autre. Exactement comme ma sœur l'a dit. Il fait frais dehors. Les arbres commencent à perdre leurs feuilles. Les jours raccourcissent et il fait nuit plus tôt. Nous ne décollons pas du canapé. Il pleut beaucoup. Impossible de rester sec, même en essayant. Je n'ai pas eu envie d'une glace, même pas une seule fois. Mais bon, l'hiver ne ressemble pas à ce que j'avais imaginé. Je crois que j'aime bien l'hiver. Je m'amuse bien quand même. Et même si le monde a perdu toutes ses couleurs, je ne trouve pas ça triste. J'ai décidé d'en profiter au maximum. Juste au cas où il ne durerait pas très longtemps. Mon histoire est terminée.